Ah là, c'est demandant là. Faut y aller, faut presser. Non. Oh, l'arrêt de... Vous avez vu ce qu'on a subi à la Kings League? Pire. Putain, mec, l'équipe qui meurt, t'as gagné. C'est la première de Tonton. Premier entraînement, ça fait plaisir. Tonton, t'es venu pour quoi là? Est-ce que t'as des ambitions pour être avec vous, les gars? Est-ce que t'as des ambitions en tant que défenseur? Des ambitions? Ah bah je dois jouer tout le monde un peu. Riche, ouais. T'as ramené un burger ou pas? Non, toujours pas. Ouais, à chaque fois t'as la dalle comme ça. C'est vraiment il a sorti une nouvelle sauce dans son burger. La nouvelle sauce goût fromage de bite. T'es fan, tu vois, tu leur dis, il y a un burger goût fromage de bite, ils disent bon. Une nouvelle sauce au spermigiano. Eh Michou, pourquoi tu fais pas le Michou? C'est un plat romeux. Le Michoui, ouais. Allez, on y va. On se retrouve pour le troisième entraînement. On a fait les deux premiers épisodes, c'était cool. Vous avez vu, on a pu reprendre collectivement, individuellement, faire un peu des passes, des oppositions et tout. On est encore dans le même terrain, Courbevoie. C'est pas le terrain du siècle, donc on a des crampons adaptés. En fait, c'est des crampons avec des ronds au lieu de juste des lames. Des lamelles, ok. Exactement, donc ça évite que le crampon se plante. Et si jamais ça se plante trop et que tu tournes, ah, ça casse comme le légendaire Samir Nasri. Il s'était blessé comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui me posent la question quand je suis en stream. Et je vais en profiter, tu sais, c'est le début de l'entraînement et tout. Tiki, veux venir s'il te plaît? Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question quand je suis en stream. Est-ce que c'est vrai que Tiki, c'est Bernardo Silva, il est fort au foot? Parce qu'ils me disent qu'en stream, il fait que dire ça. Et donc je le dis devant lui parce que je réponds la même chose en stream. Ouais. Oui, c'est vrai. Tout le monde me dit ça. Je pense que il y a eu deux chemins différents. Il y en a eu, il a signé à City et hein, il a fini en div 2 sur LOL. Ouais, mais il a le pied gauche, il a le coup d'Axel. Moi, j'ai après, de grands espoirs. C'est vrai que c'est même taille, pied gauche, même style de jeu, même origine. Portugais, aussi, c'est vrai. Et oui, même enroulé, ouais. C'est vrai que c'est assez similaire. Il y a un petit truc quand même. Il y a quelque chose qui se passe là. Hein. Ouais. Donc voilà, ça régale Tiki. On va pouvoir démarrer. L'entraînement va se passer. Il y a tout le monde. L'ambiance est bonne. Il y a Amine, il y a Tonton, vous l'avez vu. Ça régale. Je sais pas si vous en rendez compte, mais on joue déjà samedi prochain, les gars. Bah, Tonton et Tiki, on joue samedi, les gars. Ça vient hyper vite. Hein. J'ai pas vu le temps passer. Ça vient vraiment, vraiment vite, ok. Là, on va pas mal accélérer cette semaine. Ce sera la semaine d'entraînement la plus intense sur un match. Est-ce que je fais l'aller-retour? Est-ce que je reviens défendre? Est-ce que je fais un appel? Vous avez beau être sur le même terrain, le même ballon, bah, vous allez pas travailler pareil. Donc, à vous, sur ces trois entraînements qu'on a, de mettre le curseur super haut. Le plus haut possible. Le plus haut que vous pouvez. T'es pas mon joueur, je reviens. Il y a un face-à-face, j'accompagne quand même. Le coach, il a le dos tourné, bah je triche pas. Je fais mes pompes, je fais mon gainage. Je compte sur vous par rapport à ça. Donc on arrive vraiment au pic de forme le 12 octobre. En vrai, c'est ça le plus intéressant, plutôt que RER avec leurs vieux exercices. Putain, faut pas vieillir, les gars. Ça faut pas le mettre au montage. Non, non, mais c'est pas en diagonale, en haut. Après, on va le faire. Après, on fait le 8. Juste après. Okay, super. Désolé. Ok. Très bien. C'est bon. Utilisez les deux pieds pendant le match. Okay, donc moi, je vais faire la passe à Yas. Yas, tu vas reculer et je vais lui dire soit une, soit deux. Donc si je dis une, il me la remet à une touche. Si je dis deux, tu fais un contrôle et tu me la remets. Et l'idée, c'est qu'on va jusqu'au mur là-bas et après, on fait l'aller-retour. Donc je vous montre. Une, tu me la remets. Deux. Quand vous arrivez sur le mur, c'est l'inverse. C'est toi qui fais la passe et tu me dis une ou deux. Une, ok. On a compris, parlez bien fort. Vas-y, une. Une. Deux. Une. Sins, tu vas nous faire du sale. Allez, il a dit des bêtises. Il a dit quoi cet après-ci? Petit entraînement avec Donny Sins. Ça sera dans la vidéo. Chauve et haute calvitier, vous êtes les bienvenus. Amine, c'est une safe space venir, ici. Hein. Je vais te Amine, donner Amine, tu peux nous rejoindre si tu veux. Voilà. Les chevelus là, loin. Allez les gars, écartez-vous un petit peu, même les chauves. Vous vous retrouverez juste après. On part en skipping comme la dernière fois. Et quand je dirai hop, on partira en montée de genoux. Hop. Allez, dynamique. Hop, on reste en skipping. Hop, montez genoux. Allez. Skipping, à fond, on accélère un petit peu. Hop. Et après, on va partir sur les lancers de jambes. Hop, une à droite, une à gauche, on se remet en skipping. Hop, et après, on va partir sur 5 fois de sauter. C'est parti, allez.
Attends. Il y a une petite température quand même, hein. Ça fait du bien, un peu d'air. Au moins, il n'y a pas de pluie, ça me va. Bon. Le jour, t'as pas réussi un truc. Moi ? Ouais. Quoi ? L'enroulé lucarne droite. Ah, de là-bas, là ? Ouais. Dès qu'il y a les tirs, regarde bien. Tu réussis pas, c'est quoi ? Cosplay de... Ah, vas-y, frère, c'est trop dur. Cosplay de Gwen. Je l'ai déjà fait. Bah oui, mais un plus poussé. Tu veux quoi ? Tu veux que je me fasse dessin ? Ouais. Mais attends, il y a deux secondes, on va te faire masser. En vrai, c'est ça le plus intéressant, plutôt que horaire avec leurs vieux exercices. Non, mais là, normalement, je peux pas trop me servir de ma jambe droite, pas tirer ou quoi. Je vais essayer donc, pied je gauche. Ouais, peut-être. Ouais. Là, j'ai une sensation chelou, je me sens même pas tirer. Déjà, avec les appuis, je fais les... C'est bancal, là, tu sais. Vous allez avoir 10 ballons, 10 passages. L'objectif, c'est de mettre 3 buts. Pour l'instant, il n'y a pas de consigne. Ok, les bleus, vous vous défendez et pour marquer un but, vous avez 5 secondes. Soit vous faites une passe dans la porte orange, ça vaut un point. Soit vous arrivez à faire une contre-attaque, faites un stop ball derrière la ligne, ça vaut 2 points. Saïd, la passe, il faut que quelqu'un la récupère derrière. Moi, ou... je vais y être, moi. Ok, ça va. Il y aura personne. Okay. Yannou, tu peux expliquer okay. à l'autre comment vous marquez des points. Ok, c'est nous contre eux, c'est tout. Eux, ils doivent arrêter le ballon. C'est un stop ball. Okay. Et nous, on doit marquer, eux, ils doivent arrêter. Voilà. Un stop ball derrière la ligne ou alors une passe entre les coupelles orange. Ok, les oranges, pour l'instant, pas de consigne. Je vais voir comment vous débrouillez, 10 ballons, faut marquer au moins 3 buts. C'est les plots ou la ligne La ligne. Okay. La longueur, c'est la ligne. Il y a de la largeur. Ouais, tu sais, ouais, j'ai au moins de Lamborghini. Ferme-la, c'est qui ? Ferme-la. Ouais, ferme-la. Muche, joue. Je se matchais pas assez, en fait les centres que je recevais ils étaient pas assez puissants. Ouais c'est pas ça. Genre pour prendre un centre puissant là, c'est mais t'as raison, je devais envoyer plus la tête. Mais pour la deuxième séance d'affilée, la connexion Michouzak. On se trouve. Il est sur le côté, il envoie des centres, j'envoie des têtes. Si je fais la passe de ce couloir et que ça finit par un but, ça vaut 2 points. Ou alors, vas-y Yass, si moi je suis dans le couloir, vas-y, et que je rentre, et que je fais la passe à l'intérieur, ça vaut aussi 2 points. Et si on marque normal ? Tu marques normal, 1 point. Donc soit je fais la passe depuis le couloir, ça fait but, 2 points. Soit on m'a trouvé dans le couloir, j'ai décidé de rentrer, ça finit par un but, ça fait 2 points. T'as rien à faire là, ton oral, non ? Pas. T'es sur un ring, frère ? Ouais, j'en sors, je regarde la boxe. J'ai une petite sieste avant de venir. Et on est reparti comme en 46. Pourquoi t'es frustré ? Je suis frustré parce que, en fait, je sais, premier degré, que je suis nul au foot. Ça m'énerve. En fait, j'ai pas de motricité, je contrôle pas mon corps. Et vraiment, genre, pas ça me frustre, mais ça me rend triste parce que je vois les autres, ils y arrivent de fou et pas moi. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire ? Ouais ! À droite Ami, c'est là où on voit les grands. Elle est en gros, jamais. Ami, elle te concentre pas, elle est en gros. T'as 250, Ami. Winamax. Ouais. Non, attendez. Là pour le coup les replis défensifs là c'est... Ah là c'est demandant là, faut y aller, faut presser, faut apporter du mouvement sinon tout le monde est spectateur. Quand il y en a un qui y va, ça encourage les autres à y aller aussi. Donc même si c'est minime, même si ça marche pas, ça impulse un truc où tout le monde y va et c'est bien. En gros ce qu'il veut dire c'est qu'il a pas été bon là sur ça. Et toi t'as été bon toi ? Non. C'est lui qui fait un bel arrêt. C'est dur. L'ambiance, hein, j'aime bien. Oh non, c'est le numéroté, wesh, t'abuses, wesh. Mais c'est il est parti seul, mec. Il faut que je m'habitue à cette distance.
Ouais, c'était 4. Il y a toujours des rien ou pas? Ça me dégrade le matériel. C'est trop de puissance. Trop de puissance. C'est un contrôle. Ok, c'est bien, on prend le temps, on fait bouger. Ok, ok. Merci, messieurs. Encore. Oui, Boumé, bien joué. Encore, allez. Voilà, ils vont la perdre. Ils vont la perdre. Très bien. Bien joué, bien joué, les oranges, bien joué. Plonge, Michou, plonge. Voilà, Michou, à toi. Yes, Michou, bien joué. On repart là. Ouais. Bien joué, bien joué. Non, bien joué, bien joué. T'as dit quoi, je te jure, j'y vais vraiment pas vraiment. Hein? Non, mais toi, tu vois, c'est à côté de toi, tu dis je suis meilleur que Donnarumma, t'as vu? Regarde. Oh, l'arrêt de... Allez, c'est parti, 30 secondes comme ça. Bien droit, serrez les abdos, respirez, serrez les abdos. Donc là, avec la main que vous avez sur le ballon, bah vous levez le même pied. Si vous avez la main droite, vous levez le pied droit. Si vous avez la main gauche, vous levez le pied gauche. 5, 4, 2, 1, 8, 7. 6, Zach, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ok, mettez-vous sur les genoux. Maintenant, prise, diamant, comme ça, bien droit. Allez. Là, il y aura plein de duels pendant le match, faut être gainé. Allez, c'est une dinguerie. Wesh. Ouais, oh, c'est dur, frère. C'est quoi, ta gueule. Non, vous baissez le torse un petit peu, Amine, allez. Ah, mais ta gueule, putain. Allez, vous, en position, comme ça, vous levez les mains. Oh le dos. Et le ballon, levez les mains et le ballon. Oh, on m'a jeté une balle sur la... Les mains, bien, remerciez le bus. Un homme cassé. Frérot, je suis cassé de partout, gros. Je casse au poignet, j'ai une côte fêlée, La boxe est hard. Ah gros, la boxe est hard, les gars. Et encore, t'es en anglaise. Je crois que c'est le plus chiant, gros, l'anglaise. Frérot, ils passent leur temps à essayer de viser mon visage. Les mecs passent leur temps à essayer de tabasser mon visage, gros. Mon visage, mes côtes. En plus, ces fils d'up, quand ils voient qu'ils touchent mes côtes, c'est en mode, ah, il a mal. Attends, bon, on va voir s'il a vraiment mal. Ton premier vrai coup. Premier coup au foie. Mon premier coup au foie, je me suis empalé sur son poing, il m'a tapé dans le foie, une seconde de réflexion et. Sur le dos, mon cas. Enlève mal le casque, enlève mes gants, enlève mes gants. Fais pas le malin toi. Enlève tout. Fais pas le malin. Ah, je vais mourir. J'arrive à respirer. J'arrive à respirer. Ils m'ont dit prends ton temps. J'ai dit c'était quoi ça? Arrête, j'ai dit, ouais, c'était lourd. Quand tu es en sport de combat, plus tu prends des coups et plus tu deviens sadomaso. Parce qu'en fait, la vraie vérité, c'est que ça t'envoie de la dopamine et que tu sens que tu vis. En fait, t'as tellement mal que tu sens tout ton corps. Et il n'y a aucun autre sport, à part les sports de combat, où tu peux sentir tout ton corps, tu te sens vivre. Et t'as besoin de ça. Et c'est pour ça que moi, mes coachs, ils m'ont dit, tu viens, après, là, avec la boxe, le seul moment où tu auras de l'adrénaline, c'est quand tu rentreras dans un ring. Et à l'extérieur du ring, plus rien n'aura d'importance. Il n'y a plus rien qui va t'exciter. Tu vois, des petits trucs, des problèmes de la vie, tu vas dire, ah, nique sa mère. Par contre, quand tu rentres dans le ring, c'est toi et l'adversaire, vous vous arrachez. Vous êtes là pour vous arracher la tête. Il y a ta vie en jeu. Donc là, tu sens que ça monte et ça fait du bien, gros. C'est ça la vie. Amine, tu sais que t'as une faculté à pas comprendre les exos, c'est abusé. De là. J'y vais au pire là-bas. S'il te plaît. Je t'ai pas écouté. Bah écoute alors s'il te plaît. Donc là, slalom, ok. Je frappe en dehors de la surface. Dès que j'ai frappé, celui qui est sur mon atelier, il met un ballon et j'enchaîne une deuxième frappe. Allez, 8 minutes, c'est parti. On est à deux. Oui, Zach, dommage. C'est à toi. Dommage, Amine. Allez, Amine. Allez, Amine. Bien joué, ça fait 3 points. T'es trop, tu sais, tranquille et tout. Ouais. Envoie le ballon et lance-toi. Ok. Tirez fort, lance ton pied, lance ton corps. J'envoie le corps. Voilà, c'est okay. Ça. Si le ballon, tu le laisses dans tes pieds, c'est sûr que t'as vu, tu peux avoir des lins et quand tu vas tirer, ta frappe va être molle. Prends là, pousse-la un peu plus vers là-bas pour pas rentrer dans la surface. Ok. Et boum. Yes. Mich, lucarne droite, s'il te plaît.
plein de droite. Ouais. Je vais pas te mentir, ça a été un peu compliqué. En fait, là justement, c'est ce que je suis en train de poser comme question. Côté gauche, moi c'est bien pour centrer, mais pour frapper, c'est trop chiant. T'es quoi, t'es gaucher? Parce qu'en fait, ouais. Ah bah ouais. Et je frappe toujours en enroulé un peu. Donc si je suis là et que je l'enroule. Extérieur. Bah en fait, je la. Extérieur. Ouais, extérieur. Hein. Mais c'est ce que je fais, je frappe beaucoup extérieur du coup, mais c'est pas ultra puissant extérieur. Vas-y, Lucas, en droite. Vas-y. C'était une lucarne droite. Oh. Allons et boumé, ils m'ont donné de vrais conseils. C'est des frères. Ils m'ont dit faut que j'envoie le corps pour frapper fort. Si vous avez des conseils en technique de frappe, je suis preneur. Ça me servira le dos. J'ai une question sur l'exo. Ouais, tu vois. Depuis quand t'es chaud? Tu as levé ton bonnet? Non, pardon. Non, tu me dis, hein. Je répondrai quand tu enlèveras ton bonnet. On est ensemble? Ah merde, pardon. Non, mais prenez un. Faut tenir les chaussures. Non, pour pouvoir. Faut pas que ce soit entre nous. Ouais. 4, 5, 6, 7. 8, bien joué. Allez, Amina, allez. Jouez. Ok, stop les gars, juste une remarque, Amine et Zach. Pourquoi c'est important que ce soit vous qui récupérez le ballon en match? Parce qu'on est les premiers presseurs. En fait, si vous le récupérez, il y a 95% de chance que vous le récupérez dans la surface. Vous n'allez pas le récupérer. Non. Donc c'est trop important. Allez, à moi. Sors, va. Non. Mais je l'ai pris, mon frère. Mais sors, va, frère. Jamais de la vie. Bon, Amine, reste. Allez, 1. Ça allait pas du tout. Hein. Pas du tout. Ah non, je sais pas, j'avais pas, j'ai joué et tout. Et juste mettre le pied, ça me faisait trop mal. Je suis allé sur la table. Tu m'as mis comme ça, il m'a dit lève les fesses. Impossible, frère. J'avais trop mal. C'est un chouineur. Merci, Lucas. C'est dangereux. Posez. Oh, ouais. Bien joué. Oh le truc. Bon coach, le collectif là. Ça va, ça progresse, ça va. Faut encore travailler dans la tête, je trouve. Ouais. Soit y'en a qui baissent trop vite les bras, soit y'en a qui se frustrent. On veut des noms. Tu veux des noms? Bah, regarde, observe. Moi j'en ai un. Observe. Ouais, t'en as plus d'un, mon avis. Non. Vas-y, zoom. Moi j'en ai un. T'es prêt? 3, 2, 1. C'est bon? Non. Avec le bonnet là-bas. Ouais. Tout le temps, les mains sur les hanches. Tout le temps. Lui, il bouge beaucoup. C'est le con. Le faux supporter marseillais. Ouais, celui-là, ouais. Ouais. Bien joué, Michou Boumé, le pressing. Mais en soi, je trouve que le groupe, il vit bien ensemble. Ouais, par contre, c'est une belle famille, c'est bien. Ça va être important, tu sais, si on est dos au mur en Espagne, on n'arrive pas à marquer, il faut être solidaire. Je pense honnêtement, même t'as 60 000 personnes contre nous là-bas. Ouais. Les Français ont tellement un mental, ouais. Genre forgé. Ouais, je pense, ouais. D'accord avec toi. Ça va le faire. On est des petits, on a connu la Hagra toute notre vie. Putain. C'est ça. Putain, mort. L'équipe qui marque a gagné. Non, elle est rentrée. Pour moi, elle y est. Léo Roche, vous êtes trop trop gros pour marquer. Si vous marquez pas, allez, les gars, y'a nous. À part Ronaldo, Messi, pardon. Salut. Salut, elle sort pas. Voilà.
plus qu'on a subi à la Kings League, pire. Pareil. Donc il y a nous, c'est pas grave si elle y est, elle y est pas. En vrai, la Kings League, c'était mérité. Où est-ce que... Il m'a vraiment fait mal. Il a de la chance qu'il fait de la boxe. Oh bah toi et moi, bah... Il a fait tour. Oh la patate qu'il a pris. Ça fait un bruit. Et le pire c'est qu'il n'y a même pas eu un. Il y a même pas eu un. Attention. Non mais moi j'ai eu la bouche ouverte. Vas-y, fin de l'entraînement, rentrez chez vous. Qui veut prendre la parole là? Moi j'aimerais bien juste dire un truc. J'aimerais juste à titre personnel m'excuser un peu de l'attitude que j'ai pu avoir depuis le début entraînements. Et c'est vrai que j'étais un peu fermé, un peu sur moi-même, un peu en train de faire la gueule, mais en fait c'est juste une mauvaise compréhension. Je voulais juste me faire petit, pas trop prendre d'espace et essayer de jouer un maximum avec les autres. Socialement, moi je suis un sgeg de base. Ça veut dire que je sais pas, je suis toujours dans les extrêmes. Soit je suis hyper solaire, hyper jovial, soit quand. parle, t'inquiète. Soit quand je viens de me faire petit, je me retrouve à parler du tout et du coup on a l'impression que je suis à la tête, mais c'est pas du tout ça. Moi ça en vrai je prends du plaisir à venir ici à chaque entraînement, je suis toujours présent, j'en ai pas raté un seul, là que ce soit il y a 2 ans ou maintenant, je prends toujours du plaisir. Donc vraiment désolé si j'étais un peu un sgeg à me retrouver un peu enfermé sur moi-même ou à prendre un peu trop au sérieux les entraînements. Pour sur le terrain je suis désolé de prendre un peu trop au sérieux, mais je peux pas vous mentir, moi à chaque fois que je touche un ballon il y a une sorte de pression sur moi, genre si je rate une passe on va dire que je suis éclaté au sol, que je suis en foutique, etc. Pour les prochaines fois je vais m'améliorer, je vais essayer d'être beaucoup plus jovial, de prendre un truc un peu moins au sérieux. Donc je vous prie vraiment, vraiment tous de me pardonner par rapport à ça. Pas de soucis, vous me... Pas de soucis. Ok, pour le prouver, mais pas tout nous. Ok, moi aussi j'ai un discours, les gars. Non mais sérieux. Les gars, je voulais vous parler par rapport aux derniers entraînements. Excusez-moi d'être aussi charismatique. Il est chiant, hein. Pardon, ça y va, vas-y. Non, c'est bon, moi j'ai rien à dire, les gars. C'était mieux que ça, pour vous faire. On ramasse le matériel maintenant, les gars. Tout le monde joue sur le matériel. Merci, les gars. Moi, il a dit c'est l'équipe qui perdait, hein, qui. Arrête de te plaindre là. Moi, on m'a dit de ramasser le matériel. Là, il met le penalty pour conclure la vidéo. Tu penses qu'il le met? Moi, je pense qu'il le met. Il a essayé de le faire. Attends, ça fait combien? Ok, vas-y. Il y a pas de règle. Allez, on se connaît. Fais gaffe. C'est bon.